Remerciements appuyés pour le mémorial acte à l'attention du candidat aux élections régionales, Victorin Lurel. Des artistes et des intellectuels se mobilisent autour de sa candidature et lui apportent leur soutien quant à sa gestion du secteur culturel. Je dirais d'abord dans l'ordre de l'éducation et de la formation, les actions notables du conseil régional dans le domaine universitaire, la création de ce magnifique campus universitaire du Camp Jacob à Saint-Claude, l'érection toujours à Saint-Claude, également à Saint-Claude, de la Cité de la Connaissance, les travaux faits pour améliorer, conforter, agrandir les lycées. Autant d'exemples à citer, mais surtout citons la construction admirable du Mémorial Act, qui est une œuvre de portée historique désormais. L'universitaire a affiché également son incompréhension quant au rejet du Mémorial Act par certains acteurs politiques. J'ai du mal à comprendre pourquoi les Guadeloupéens ou certains Guadeloupéens, parce que ceux dont vous parlez sont une minorité, ne sont pas une majorité. J'ai du mal à comprendre pourquoi l'on tarde à reconnaître que cette œuvre-là est une œuvre majeure, est une œuvre noble, noblesse intellectuelle de ce mémorial. S'engager dans le combat politique est une chose, mais ce comité tient tout particulièrement à s'engager avec les politiques. Dans un pays où culturellement on se construit, puisque il n'y a pas encore l'aboutissement, on va dire, grandiose encore de tout ce qu'on attend de la culture, c'est normal que les artistes qui, eux, sont techniciens dans leur domaine, puissent apporter leur contribution aux politiques et de pouvoir permettre à nos institutions, à nos infrastructures d'évoluer en les accompagnant. L'installation officielle du comité de soutien se veut ainsi un étendard culturel du président à 15 jours du premier tour.